Alors, on est au 3400 chemin Chambly, à Longueuil. Un terrain ici avec une maison ancestrale, probablement. C'était tout près d'eux, mais bien magané. Et puis une vieille grange, puis la vieille madame bien, voulait vendre ça. Mais la vieille maison ancestrale me causait un petit peu de problème à savoir si la ville de Longueuil veut qu'on la rénove et qu'on travaille à partir de ça. J'avais pas le goût vraiment de faire des affaires. Sauf que je rencontre la vieille dame, elle me dit 350 000 pièces pour le grand terrain qu'il y a ici. Il en restait plus si je me Chambly. Alors on a fait des affaires, j'ai dit. On se présente au notaire Goyette, Tardy Goyette, ici sur le chemin Chambly. Et puis au même moment, je cale un bulldozer puis une crane, une grue pour tout sacrer la vieille maison puis à terre. J'avais assez d'expérience avec la ville de Longueuil pour savoir qu'on est mieux de faire les choses puis après ça, de s'arranger si ça a été mal fait. Prends trop de temps à attendre après fonctionnaire quand que tu fais des affaires. Pour moi, dans ce temps-là. Alors, j'achète ce terrain-là, et puis, naturellement, ben, je vois que ça va, ma grosse usine, là, que je rêvais, là, était pour être ici, installée ici. Mais entre-temps, 3-4 mois après l'avoir acheté, il s'est libéré un terrain vacant au coin de Papineau-Maisonneuve, ici à Longueuil, 75 000 $. Ah ben, j'ai dit à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était pas nécessaire qu'on soit sur le chemin Chambly, compte tenu que nos clients, Bell Canada, Banque Nationale, Rona, toutes les grandes entreprises, ben on avait des camionneurs qui allaient chercher les travaux, puis qui les ramenaient à l'usine, puis on les faisait, puis on allait les reporter. Alors, il n'y avait pas d'utilité vraiment à être ici. J'avais pas réalisé ça, c'est tout. Alors, j'ai dit, bon, ben là, regarde, on va vendre ça, je n'en ai pas vraiment besoin. Ça n'a pas été long, j'ai mis une pancarte. Bien, mon voisin, Lucien Chartrand, architecte, celui qui a bâti le palais de justice à Longueuil, il s'est dit intéressé à l'acheter, sauf qu'il n'avait pas les moyens pour le financer au complet. Fait qu'il dit, tu peux-tu me financer de l'autre? J'ai dit, oh, ouais, pas de problème. Donne-moi 50 000 piastres de cash, chèque, et plus 3 000 piastres par mois pendant 5 ans. Puis après ça, tu pourras exercer ton option d'achat. On s'entend là-dessus. La première année, 12-13 mois, pas de problème. Les chèques rentraient bien, tout allait bien. Sauf qu'après un an, là, ils ne payaient plus. Puis moi, j'étais vraiment occupé à bâtir mon usine dans le parc industriel à Longueuil, Papineau-Maisonneuve. Fait que tous les 3 mois, je l'appelais. « Hey, Lucien, j'ai pas d'argent. J'ai besoin de mon argent. Ramène-moi l'argent. » Bon. Au bout de pratiquement un an, à l'Action de grâce, il me dit « Claude, je te paierai pas. Ton terrain, c'est ma blonde qui a signé le contrat, elle est notaire, et puis tu ne pourras pas le reprendre. Hein? » Quoi? Tu ne peux pas reprendre ton terrain, même si je te paye pas. C'est ça que tu me dis? C'est ça. Ah ben, j'ai dit, attends un petit peu, tu vas savoir de quel bois je me chauffe, toi, là, mon ami. Un instant, s'il vous plaît, là, et je vais te régler ça. Salut. Alors, je dis, ça n'a pas été trop long, j'étais en campagne. J'appelle la secrétaire et je dis, écris-moi la lettre que je vais te dicter. Je, sous-signé Lucien Chartrand, remets à Claude Langlois le terrain situé au 3400 chemin Chambly, point à la ligne, signe ça, puis salut, bonjour. Puis je dis à Paul, mon employé, mon bras droit, mon homme de confiance, qui jouait dans avec les petits gars de Bessic, là, je dis, garde, va y porter cette lettre-là, qui signe ça, puis ramène-moi ça que j'ai de la paix. Il avait compris que j'étais vraiment pas de bonne humeur puis il fallait que la job elle soit faite. Ramène-moi ça signé. Il s'est présenté le jeudi soir, le mercredi soir ici. Il n'était pas là, Chartrand. Alors, son gérant a pris le papier que j'avais demandé de faire. Il l'a présenté à Chartrand, qui, lui, probablement, a vu là-dedans... un genre de complot d'extorsion, lui, là, avec ses amis. Parle-là à ses amis, il n'a pas le droit de te récupérer un terrain comme ça. Ça fait que Paul se présente le lendemain soir à 6 heures, tel que convenu avec le gérant. Mais là, ça n'a pas été trop long que 6 chars de police arrivent, tap, snap ça bien raide, envoyé au poste. Puis là, moi, je suis dans le néant, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis dans... j'étais à mon chalet à Saint-Paul-de-Chester. Essaye de rejoindre Paul. As-tu fait signer ma lettre? As-tu signé ma lettre?
Mais sur son pagette, il me répond pas. Il me répond pas. Puis il me répond pas. C'était pas son habitude. Habituellement, dans une heure ou deux, il me revenait à un appel. Mais la fin de semaine a passé sans que j'aie eu des nouvelles. Puis lundi, quand je suis revenu, la première chose, je viens prendre mes messages au bureau. Puis j'ai un appel de sergent Emery de la police de Longueuil qui me dit, « Monsieur Landois, présentez-vous au poste de police sur Curé-Poirier avec votre avocat. On a quelque chose à régler avec vous. » Oh, pareil, là, moi, je suis tout étourdi. C'est quoi qui se passe? OK, je raccroche. Puis là, je commence à penser que, oh mon Dieu, la police, Paul qui me répond pas, il y a sûrement quelque chose là, qui s'est passé de grave. Un avocat au criminel, j'en ai pas. Je reprends le téléphone, je signale à nouveau, sergent Emery, écoutez bien, là, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine pour que faut que j'aille vous voir avec un avocat? Oh, ben les petits gars, ils ont brisé des affaires là-bas, puis ils ont menacé, puis... ah, ben, j'ai dit, hostie, avoir été là, j'aurais tué ça, cette crèche de Chartrand-là, moi, tabac. Bon. Monsieur Landois, vous avez 10 minutes pour vous rendre au poste, sinon j'envoie un char vous chercher, on sait à quelle adresse que vous êtes. Attends-moi, ça sera pas long, j'arrive. Comme de fait, j'arrive. Puis là, le cœur me débattait en m'en allant là-bas. J'ai dit, ah, non, non, m'a réglé ça, moi, là. Arrive au poste, sergent Emery, c'est moi. Un instant, il me montre la petite feuille rose. Il me fait lire le texte qui était ce que moi, je venais de lui dire 10 minutes auparavant. Qui disait que j'aurais tué ça. Alors, moi, je signe ça comme un innocent, que je ne suis pas au courant de ce qui va se passer suite à ça. Mais ce que je venais de signer, c'est un document qui disait, « Monsieur Landois, vous êtes accusé de menace de mort et de complot d'extorsion. » J'allais y faire signer un document, quasiment de force, pour qu'il me remette mon terrain. Pas de même, ça marche dans les affaires, apparemment. Je l'ai fait de même, sauf que j'en ai payé le prix pour apprendre. On verra plus tard. Puis là, compte tenu que j'étais encore bien énervé, puis que là, je voulais sortir de mes gonds, il m'a pris par le bras et il dit, « Grand loi, venez ici. Envoyez dans le donjon, dans la cellule 5x10, tout en stainless steel, pas de couverture, la toilette en stainless steel, puis le banc, puis qui est aussi le lit en stainless steel, les barreaux. Essayez de les brasser, ça. Non, 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 c'est bien fait. On sort pas de là. » Je m'abandonne à mon triste sort tout seul dans cette cellule-là. Il y avait deux autres cellules vides à côté. Fait que je m'assis puis je pense, qu'est-ce qui se passe? Une heure avant, moi, j'étais un honnête citoyen qui n'avait pas de problème, puis que la vie était belle. Puis là, je suis en prison. Quelque chose qui ne va pas. Là, quelque chose qui... Alors, je me suis calmé, naturellement. Au bout de 2-3 heures, bien, sergent est venu me revoir, bien, il dit, « Bon, t'es-tu calmé? » J'ai dit, « Oui, 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 correct, là. » Suis-moi, on va aller dans la salle d'interrogatoire. Une petite salle de 5x8, deux chaises d'un bord, deux chaises de l'autre, une table, tout en blanc. Il ne faut pas être claustrophobique pour rentrer là, je vais vous le dire. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Là? Je dis, non, non, moi, là, non, non. Regarde, c'est ça le problème qu'on règle aujourd'hui. Regardez, moi, là, je demeure à Longueuil, depuis 25 ans, sur la rue Oxford, le Copilab, sur le chemin Chambly, c'est moi. Papineau, Maisonneuve, c'est moi. Puis telle place, c'est moi. Oui, je comprends, M. Landois, mais il reste une chose, c'est que faut que je vous garde jusqu'à demain. Écoutez bien, là, calmez, là, puis je vais être là demain matin. Habituellement, je manque pas ces rendez-vous-là. Là. Soyez pas inquiète, demain, 9h, je vais être là. Comme de fait, le lendemain à 9h, j'étais là. Il m'a identifié, là, regarde, les robes noires, là, c'est ça des avocats. Mon criminel. Ouais, OK. J'en vois arriver un gros bonhomme avec le téléphone dans la boîte. Puis, wallo, 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 puis il jasait. Puis il lâchait pas le morceau. Il dit, regardez, moi, là, regardez ma feuille jaune, c'est quoi? Il regarde ça, puis il dit, oh mon Dieu, menace de mort, contrôle d'extorsion, 14 ans. Sont bons les avocats pour nous vendre leur salade, hein? Alors, ouais, mais c'est ça. Mais il dit, ça va coûter 1500 $ ce matin.
OK. J'appelle mon fils Daniel. Daniel, amène-moi 1500 piastres pour régler l'avocat. Paye 1500 piastres. On rentre dans la cour. Là, j'aperçois Paul qui est en avant. La barbe longue. Passe la fin de semaine en dedans. Je ne savais pas, mais il me l'a raconté après. Le juge, j'ai dit, bon, ben regardez. Bon, ben, matin, c'est 2500 piastres de caution pour lui, 2500 piastres de caution pour moi. Et puis, avec ça, ben libéré jusqu'au procès. Parfait. Je rappelle mon gars, amène-moi 5000 piastres parce qu'il faut sortir d'ici. Mon gars me ramène 5000 $. 1, 2, 3, 4, 5. Salut. On sort de là. Là, Paul me raconte sa fin de semaine en dedans, appartenait, puis bon, cette histoire-là. Mais au moins, on est sorti. Mais là, je dis à l'avocat, là, c'est quoi la suite des choses? Il dit, j'ai pas le temps de te parler de ça à ce moment-ci, j'ai d'autres rendez-vous. À soir, à 8 heures, on va être au club, à tel endroit, sur le boulevard Tachereau. Viens me rejoindre là, on va être là, puis on va aux heures d'affaires. Parfait. Alors, 8 heures arrive, j'étais là. Ah, regarde les petites filles, on ne peut pas parler de business. Tu comprends-tu? Non, on a autre chose à faire que ça. Alors, je prends une bière, puis je m'en retourne chez nous, puis en me disant, mon Dieu Seigneur, dans quoi je t'ai embarqué, calique? Toute une gang, là, tout un méchant système là, que je t'ai embarqué. Donc, on se donne rendez-vous le lendemain matin, 8h30, dans un restaurant ici à Saint-Hubert. 8h15, 8h30, je suis arrivé au rendez-vous au restaurant, il n'est pas là. 8h35, 8h40, 45, 50. Il arrive à 9h, encore là, avec le téléphone dans la bouche. Ouais, mais là, les petits gars sont fait pogner à Toronto. Et là, écoute-moi bien, toi, là. Moi, je ne veux plus faire affaire avec toi. J'ai pas de temps à perdre. Tu débarques du dossier. Il dit, tu peux pas débarquer du dossier. Ben, dis-toi, mon calice, je vais te débarquer. Parce que j'ai encore rien fait de mal, mais avant la fin de la journée, s'il faut que je te passe, hostie, je vais le faire. Fait que t'es bien mieux de te tasser dans mes jambes parce que ça va aller mal dans la cabane. Je parlais fort comme ça, avec le gars, dans le restaurant, ça bougeait plus, puis il me voyait sortir là, d'un pas, là, empressé. Pas me sauver, mais empressé de m'en aller. Je reviens au bureau, Paul, trouve-moi le meilleur avocat des Hells Angels. On ne niaisera pas avec ça, là. On me traite comme un criminel, je vais me défendre comme un criminel. Alors, ce qui est arrivé, c'est que il m'a présenté, ça n'a pas été long qu'on m'a présenté l'avocat, cet avocat-là, au coin d'Amherst, et puis Ontario, si je me souviens bien. 3 étages avec les passeurs, rouvre la porte. Là, t'arrives là, une salle de conférence de 30 par 40 pieds avec 3 chaises en plastique, plus une feuille 4 par 8 en plywood. Il y a juste ça. Le secrétaire m'a dit dans 5 minutes, maître, j'oublie le nom, il va être ici. Fait que là, moi, je me promène dans les 4 coins, les grosses faces de monsieur. We support Hells Angels Lennoxville. We support Hells Angels Montréal. We support Hells Angels Sorel. We support Hells Angels Rimouski. Ah ben là, j'ai dit, je suis à la bonne place. Lui, il s'occupe des cas, des gros cas. J'ai tout un avocat pour le. Moi qui n'ai rien fait. À un moment donné, il se présente, il arrive, cet avocat. C'est pas grand, là, 5 pieds 7 à peu près. Il dit, M. Landlois, il dit, si la place est déboguée après chaque client, vous pouvez parler, dire ce que vous avez à dire, puis ça reste entre nous deux, secret professionnel, il n'y a pas de problème. Il dit, regardez-moi, là, j'ai rien fait. J'ai rien fait de mal, moi, là. Montrez-moi votre papier, Feyreau. Je montre ça. Menace d'extorsion. Menace de mort, extorsion. Ouais. Ouais. 14 ans. Ouais. C'est moyen de me sortir de ça. Ben, il dit, garde. Regarde dans ses papiers, c'est qui à Longueuil au mois d'août? Parce qu'elle avait été situé pour le mois d'août. Ah, il dit, je connais le juge, on va arranger quelque chose. Ouais, c'est correct. Les chances sont bonnes. Laisse-moi travailler là-dessus, je ne garantis rien, mais c'est comme ça. Il dit, comment ça va coûter? Ben, il dit, aujourd'hui, c'est 2000. Et puis, probablement autour de 10 000 à la fin. Il dit, on s'entend pour 10 000? Il a dit, oui. Parfait. T'es pogné. Alors, je le paye 2000, puis on réglera la reste à la fin.
Fait là, je dis à Paul, Chartrand, là, va falloir l'avoir à l'œil, lui, cet innocent-là, parce que j'ai pas le goût de me faire ramasser à nouveau avec ce moineau-là. Ça voulait dire, suivez-les d'être proche, lui, puis qu'ils se souviennent qu'il m'a gossé, puis il me niaise. Fait que, quand il allait à un restaurant, il y avait toujours, pas toutes les fois, mais souvent, quand les gens le reconnaissaient, les jeunes le reconnaissaient, bien, la bière tombait à terre ou le repas tombait à terre. Fait que, en fait, en sorte, quand il s'est présenté en cours, il savait que j'étais ami avec des petits garçons qui méritaient, qui n'étaient pas bien vus de la société. Disons ça de même, disons ça de même. C'est bien sûr que Chartrand, à un moment donné, juste avant, il m'avait menacé de me voler le terrain. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Fait que je suis passé voir ça par hasard. Il y avait un bulldozer là-dessus, puis avec une grosse pelle mécanique. Là, j'ai dit, ah non, il va me creuser une tranchée là-dedans, sortir. Il va me fucker mon terrain avec un bulldozer, puis je vais être pogné. Je regarde sur le bulldozer, c'est Ménard. Ménard était mon voisin dans le parc industriel. J'ai dit, Paul, asseoir, fais-y donc une ronde, lui, ici, autour, avec les petits gars de Bessic, puis lui montrer que, regarde, on est sérieux, nous autres. Moi, je vais aller voir Ménard. Je vais voir Ménard, il dit, regarde, toi, là, si tu veux avoir ton équipement dans la même condition que tes amis hier au matin, t'es mieux de sortir à soir parce que demain, je te jure d'une chose, ça va brosser dans le corner. Il va falloir que tu prennes ma parole là-dessus que c'est pas le bon gars avec qui que tu t'amuses. Là. Il a dit, ouais, c'est correct. Le lendemain, tu as ta clé. Fait qu'on passe en cours, puis Chartrand s'est bien s'énervé. L'endroit, il est habillé avec des gars qui nous font du trouble, et des motards, puis toutes sortes d'histoires de fous. Crier à pleine tête là, dans la salle. Il était bien tranquille, il bougeait pas pantoute. Puis, il criait assez. C'était assez déplaisant que le juge a dit aux gens de sécurité, envoyez-le à l'extérieur. Pas ça pour un fou, là, au niveau. Le juge, du garde, ça, il était bien trop énervé, il sort, moi, ça, de là. Pendant ce temps-là, mon avocat défendait ma cause. En fin de compte, mon avocat a dit, c'est-à-dire, le juge a dit, bon, ben regardez, non coupable, pas de dossier, l'affaire est réglée. Hop! Tout venait de finir, l'histoire de Chartrand en cours venait de finir. Suite à ça, ben je me suis engagé un avocat au civil pour me, comment je dirais, pour me récupérer mon terrain d'une façon plus, plus standard que j'avais fait avant. Il l'a récupéré, je l'ai mis en vente, j'ai été payé, puis je sais pas combien j'ai perdu, mais 34 cents chemin Chambly, salut. 2758 Sainte-Hélène, encore à Longueuil. Ça, c'est une bâtisse que j'ai achetée au tournant des années 1998, je crois, qui était une bâtisse dédiée seulement aux agendas scolaires. À ce moment-là, j'avais à peu près un million de dollars de business qui était pour faire des agendas personnalisés aux primaires à travers le Québec. C'est une entreprise que j'avais achetée de quelqu'un d'autre. Plus on avait, nous autres aussi, un petit peu d'agenda. Mais à un moment donné, c'était assez gros que cette bâtisse-là, pendant 6-7 mois par année, était dédiée aux agendas. Puis le restant de l'année, bien, c'était dédié à de l'entreposage ici. Parce qu'on est à 2 minutes à pied du siège social, ici, là. 5 minutes à pied de chez nous. On est vraiment autour de chez nous, là, à pied avec mon chien qui vient faire un tour à toutes les soirs, voir si tout va bien partout, puis voilà. Alors, rien de spécial à propos de ce bâtisse-là, sauf qu'il était vraiment à l'ordre, belle propriété, surtout à côté de chez nous. Ça nous a permis de développer pendant les 5-6 dernières années avant de vendre l'entreprise. Cette bâtisse-là faisait partie du pool de nos immeubles. Rien de spécial à raconter ici, vraiment. Ça a été vraiment pratique parce que, encore une fois, au siège social, l'usine était bien remplie. Alors, on est au coin de Papineau-Maisonneuve à Longueuil. C'est ici qu'à partir d'un terrain vacant,
on a bâti cet édifice-là, 15 000 pieds carrés. Là, je m'étais dit, il me semble qu'on n'en manquera plus jamais de place, là, avec les satellites, là, le paquet de centres de copie que j'avais à travers le Québec, là, soit à Jonquière, Chicoutimi, Québec, Saint-Hyacinthe, Ville-Saint-Laurent, Centre-Ville, mon Dieu, de New York. J'ai été même développé un centre à New York. J'ai ouvert le 1er août 2001, puis ça a crashé le 11 septembre, comme vous savez. Puis moi, j'ai crashé 150 000 parce que j'avais un bail dans le Penn Plaza Building à New York, où les Rangers de New York jouent en bas. Alors, fait que ça, ici, tous les points de vente, satellites, comme CopyLab qu'on a vu, c'est des centres de copie, ça ressemblait à ce CopyLab. Bien, le soir, la nuit, il y avait des transporteurs qui amenaient le travail ici. Puis le travail était fait les soirs, dans la journée ou les fins de semaine. Ça marchait 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, ça, ici. Avec des machines les plus hautes performances, là, c'est des... Il passait 4 vannes de papier par mois ici. Là. 4 gros trailers de 53 pieds de papier qui rentraient dans les entrepôts, qui étaient transformés ici au premier étage pour être livrés chez nos clients. Au deuxième étage, bien, c'était tous les bureaux, des vendeurs, une équipe d'une dizaine de vendeurs que je motivais à tous les lundis matins pendant une heure pour donner de la drive, pour aller chercher du volume d'affaires. Puis moi, je me voyais comme la responsabilité d'augmenter le volume d'affaires par des acquisitions. J'ai acheté 34 entreprises à travers le Québec. Donc, dire que j'en ai probablement sollicité un 150, 200. En fait, tout le monde me connaissait dans le milieu dans les années 90. Il est acheteur d'entreprise, on l'appelle, il vient voir ça, on fait des affaires. Puis des fois, j'essayais de les acheter, il ne voulait pas. Bon, un paquet d'histoires qui a fait en sorte qu'on a monté un volume d'affaires ici de 12 millions de chiffres d'affaires dans cette entreprise-là. Ici, au siège social, il y avait 75 employés à peu près qui travaillaient. Puis dans le restant, là, en fait, en 2002, on était 225 employés à Mosaïca, qui était l'ancien groupe Repro. Alors, c'est à partir d'ici que c'est ici que ça a fini aussi. À un moment donné, Stéphane, en 94, est venu nous rejoindre. Il sortait de l'université, du HEC. Il avait été passé 6 mois à Strasbourg, en France, pour faire sa dernière session. Il est arrivé ici, s'est occupé de la production beaucoup. 2 ans plus tard, mon fils Daniel est venu ici comme directeur général pour remplacer Daniel Lévesque, qui, elle, avait dit, ben, regarde, moi, je retourne ma fameuse Daniel qu'on parlait au début, là, mon petit génie, là, en boîte, là. Ben, elle voulait retourner sur le plancher puis gérer la production, elle aussi. Alors, tout le monde avait sa place. Avec le nombre d'employés qu'on avait, là, tout le monde avait sa place. Puis tout le monde était heureux parce qu'on n'a pas perdu d'employés ici. Les gens, moi, je disais, je vous engage, je vous clairerai pas. Si vous faites l'affaire avec pendant 3 mois, puis si vous faites pas l'affaire, c'est les gens avec qui vous travaillez qui vont vous sortir, pas moi. Si, puis, par contre, si vous faites 3 mois puis vous acceptez dans la gang, ben, on va vivre avec les hauts et les bas de la vie d'une personne. Et puis, effectivement, j'avais une très bonne relation avec mes employés. Ma vie sociale était ici, mais mes employés étaient ma famille. C'est sûr qu'ici, il y avait toutes sortes de, j'allais dire, d'épreuves. Là. À un moment donné, quand on a déménagé en 88, la première fois, je me suis fait voler tous mes ordinateurs au deuxième étage puis en bas. Toute ma liste de clients était là-dedans. Là. C'était pas bien, bien drôle. Je me suis tout remonté en neuf, 250 000 pièces. J'ai remonté de nouvel équipement pour 160 000. Ça avait changé le... comment je dirais... la valeur des équipements n'était pas la même. Quoi. Alors, 160 000 pièces, mais là, la compagnie d'assurance, la banque avait le gun sur la tête. Regarde, Claude, il ne faut plus que ça se reproduise. Puis, veux-tu passer le test de détecteur de mensonges? Fuck! Puis, je savais que la police ne le retrouvait pas. Alors, j'ai appelé les petits gars, quand j'appelle, là, les petits méchants garçons, puis j'ai dit, regarde, ben, moi, j'ai 5000 pièces pour retrouver ceux qui m'ont fait ça. Effectivement, 3 mois plus tard, c'est-à-dire 2 mois plus tard à peu près, ils m'ont ramené les petits bandits. Puis j'ai dit, petits bandits, écoutez-moi bien, les gars, là.
La commande, c'était d'aller vous chercher pour vous avertir que maintenant, j'ai remis ma carte d'affaires avec 6 endroits différents sur la Rive-Sud, puis je leur ai dit, s'il arrive quelque chose dorénavant, à partir de maintenant, je sais que ça va être vous autres qui êtes en arrière de tout ça, puis vous autres, la commande, ça va être de « je veux plus jamais vous revoir ». Ils avaient compris que les gars qu'ils avaient ramassés, ils ne filaient pas pour recommencer à nouveau. Bien, croyez-le ou non, j'ai plus jamais eu de problème. Pour le reste, bien, je veux dire, plein de bons souvenirs. On a développé des copies de plans. On a développé du laser. Le numérique commençait. On avait des équipements, des pièces d'équipement de numérique. Alors, je garde un excellent souvenir de la place ici. C'est sûr que, à travers tout ça, je dois la réalisation de tout ça à mon monde. C'est, j'aurais jamais été capable de faire ça tout seul. C'est parce que j'avais des employés qui, comme je disais souvent, en une vingtaine qui sont meilleurs que moi, puis ça, c'est ça qui fait le succès de l'entreprise. Alors, pour moi, mes employés, on avait une super de bonne relation, puis pour moi, c'était ma vie, ça. Malheureusement, quand que j'ai vendu, puis que je n'ai pas été payé, longue histoire, là, que je ne veux pas embarquer dedans, ça serait trop compliqué. Faites en sorte que j'ai été vraiment désolé. C'est pratiquement une dépression qui a suivi suite à ça. Un autre point que j'oublie, là, une autre grande désolation que j'ai eue ici, c'est que mon gars Daniel, qui était directeur général, qui faisait un excellent travail, a précisé, m'a dit, « Papa, si on ne peut pas gagner notre vie à 40 heures par semaine, ben moi, je débarque. » Il dit, « Mon gars, ce qui est important, c'est que tu sois heureux. Je te laisse aller. Et puis, laisse-moi m'arranger avec mes bébelles. » Effectivement, ben j'ai continué avec un gars qui a pris, comme directeur général, qui était un work-alcoolique, qui a établi des mauvaises relations avec mes fournisseurs, des mauvaises relations avec les clients. Alors, ça a fait en sorte que j'ai comme perdu le contrôle. Je m'occupais plus ou moins. J'étais fatigué, 54 ans. J'ai mis ça en vente, l'ai vendu, puis malheureusement, ben ça a fini comme ça a fini. Sauf que plus qu'une paye, plus que de l'argent que j'ai pas eu ici, c'est que mes gars qui réussissent bien en affaires aujourd'hui, mes deux garçons, Stéphane et Daniel, réussissent très, très bien en affaires. Puis un jour, ils m'ont envoyé un courriel pour me dire les 75 leçons qu'ils avaient apprises de leur expérience à travailler avec leur père. Alors, j'ose croire que, même si c'était une mauvaise expérience, pour eux autres aussi, ça a été une mauvaise expérience, mais il reste que ça a donné comme résultat que mes gars aujourd'hui ont des entreprises florissantes, gagnent bien leur vie à leur façon, puis ça, c'est la plus grande fierté que je pouvais avoir. Alors, voici ce que ressemblait l'entreprise en 2000. On avait changé le nom pour de groupe repro à Mosaïka, une attitude client. Ça, ça a été fait, ce nouveau nom-là, avec l'appui de mon directeur général, mon fils Daniel, et Stéphane, qui était aussi tout le temps au courant de ce qu'on avait comme projet. Fait qu'ici, c'est un département d'infographie, où ce qu'on pouvait aussi imprimer jusqu'à 1872, une grandeur des posters. Ici, des machines comme celle-là, ici, on avait une quinzaine à l'intérieur de la bâtisse. Des opérateurs, 3 chiffres, 7 jours par semaine. L'imprimerie, on faisait de l'imprimerie. Les grands documents. Il y avait des gens à finition. À ce moment-là, dans cet endroit-là en particulier, il y avait à peu près 75-80 personnes qui travaillaient dans la bâtisse. Les autres centres étaient pour alimenter les centres à travers le Québec, là, Chicoutimi, Jonquière, Québec, Ville-Saint-Laurent, Centre-Ville. Le soir, les camionneurs ramassaient les commandes de ces centres-là, puis c'était produit dans la nuit ou le lendemain à Longueuil. Ici, notre équipe de vente, et puis tous les gens qui travaillaient dans l'organisation. Et ça termine ici sur
nos différents endroits à travers le Québec. Copilab sur la rive sud, c'est-à-dire les premiers Lemoine, ça c'était au lac Saint-Jean, à Chicoutimi. Ici c'était à Québec, ici c'était à Ville-Saint-Laurent-Nouveau, ici c'était à Longueuil, Réploplan, c'était Copilab à Longueuil. On faisait des enveloppes aussi à un moment donné. Le centre Copilab-Rive-Sud, la place, le siège social. Ici à New York, deux Penn Plaza. Ça, c'est le Penn Plaza, c'était le building où ce que les Rangers de New York jouent en bas. On était situé au 36e étage de Penn Plaza Building. Et puis, ben voilà, naturellement, le siège social était à Longueuil. C'était l'organisation que, en 2000, 2001, 2002, c'est comme ça que ça a fini. Alors ici, on est en mars 2003. Je reviens de Montréal, pratiquement expulsé par la police de Longueuil qui m'avait dit à un moment donné, « Garde Claude, va te reposer en campagne, on ne veut plus te voir en ville, c'est trop tannant. » Alors, c'est ici que je suis revenu, à la maison de ma femme, disons. Parce qu'il faut savoir que 2 ans auparavant, c'est-à-dire en 2000, j'avais décidé de lui donner une maison, lui faire une maison en campagne. En fait, c'était pour moi aussi, bien sûr. Là. J'avais mis ça à son nom. Toutes mes affaires étaient normalement toutes endossées par la compagnie à Montréal. Ma maison principale à Longueuil est endossée par la compagnie. Mes REER est endossée par la compagnie. Tout est endossé par la compagnie. Mais ça, c'était tout perdu. Il restait quand même la maison à ma femme, ici. Maison qu'elle a faite à son goût, puis à mon goût, puis c'était notre chalet suite à la vente de la propriété qu'on avait à Saint-Paul, à la ferme. Alors ici, c'était bâti flambant neuf, quelque chose que j'ai entrepris comme projet avec mon équipe de gars de construction à de Longueuil, on descendait ici le vendredi après-midi, et puis on travaillait toute la fin de semaine, le soir, tard, pour finaliser le projet. Alors pendant, je dirais, 3 mois, les fins de semaine, vendredi soir, samedi, dimanche, jusqu'à 7-8 heures le soir, on travaillait pour finaliser ce projet-là. Alors ça a été mon refuge de cette année-là. Alors ici, c'est ce que j'appelle la rocaille. Ça, quand on avait bâti en 2000, j'avais strippé toutes les cochonneries qu'il pouvait y avoir ici. On avait ramené ça au niveau zéro, où ce que c'était le cap directement. Les arbres ont été plantés à ce moment-là, il y a une vingtaine d'années. Les bouleaux, naturellement, ont poussé tout seul. Mais ici, ce que ça me rappelle, c'est un des temps les plus difficiles de ma vie, un autre. Mais vraiment, celui-là a été celui où ce qui m'a fait verser le plus de larmes. Ici, là, je ne pensais pas que dans le corps, on avait autant de larmes que j'en ai versé ici. Vraiment, j'étais déconnecté complètement de la réalité, je dirais. Je ne voulais plus rien savoir de personne. Ma vie sociale était tombée à zéro parce que ma vie sociale, c'était mes employés qui m'avaient comme abandonné. Dans la famille, les frères, les sœurs, il y avait toutes sortes d'incidents. Des gens ne comprenaient pas qu'un gars comme moi pouvait se réveiller à zéro puis demeurer dans une place comme ça. Là, ça a créé beaucoup de problèmes dans la famille, ce qui faisait en sorte que moi, je me retrouvais ici. Je me voyais comme abandonné. Même les gars ne voulaient pas me déranger. J'étais tellement blessé par ce qui m'était arrivé que pendant, je dirais, au moins 6 mois, je ne voulais plus rien savoir de rien ni personne. Des crises de larmes, malheureux comme une huître ici. C'est encore une fois un temps très difficile pour moi qui s'est passé ici. Sauf que, à un moment donné, plus d'argent, il n'y avait plus rien qui se passait dans ma vie. Ça veut dire que le frigidaire est vide. Je vais avoir 55 ans le 13 juillet 2003. Je n'ai pas d'autre choix de recommencer à travailler.
Mais recommencer à travailler quand tu ne sais pas ce dans quoi tu es bon, c'est-à-dire j'étais bon pour faire des affaires. Ça, je savais que j'étais bien bon pour faire des affaires. J'avais réussi jusqu'à cet âge-là avec les hauts et les bas que ça peut comporter. Je me suis demandé qu'est-ce que moi, de quelle façon je peux gagner ma vie. Puis après une fin de semaine de réflexion, j'ai dit, Gann, j'ai pas le choix. Je vais vendre mon expérience. J'ai tellement vécu de toutes sortes de situations, des bonnes, des moins bonnes. Je vais essayer de vendre l'idée à d'autres entrepreneurs que toutes les erreurs que j'ai faites pouvaient les aider. Autrement dit, répétez pas le nombre d'erreurs que j'ai pu faire et que j'ai pu faire. Sauf que ces gens-là savaient quand même que tu ne peux pas avoir fait juste des erreurs puis avoir bâti ce que j'ai bâti. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé à un moment donné de devenir coach en entreprise. Je fais de faire des cartes d'affaires. Et puis, comme les gens étaient difficiles à rejoindre dans ce temps-là, bien, mon entreprise s'est appelée CLSC, Claude Langlois Service Conseil. Alors, ça me permettait d'appeler les clients, puis je pouvais parler à M. Gendron, le propriétaire de l'entreprise, le président, dire à la secrétaire, bien, c'est Claude Langlois de CLSC qui aimerait ça parler à M. Gendron. Alors, c'est bien sûr que psychologiquement, la secrétaire comprenait que c'est important. Alors, elle me transférait. Bon, M. Gendron, mon nom est Claude Langlois. Je suis coach en entreprise, puis vous expliquer qu'est-ce que je peux faire pour vous. J'aimerais ça vous rencontrer. Puis c'est comme ça que, j'ai commencé à faire de la publicité, puis je me suis pris des rendez-vous. Après une semaine, j'avais quatre rendez-vous de bouclés. Entre autres, un client à Sherbrooke, pour aller voir un client à Sherbrooke, un autre à Drummondville. C'est à la fin de la journée, j'en avais un à Victoriaville. Puis c'est tous des gens qui disaient, bon, ben regarde, on appelle ça des prospects. Ouais, ça m'intéresse peut-être, je sais pas, puis ça va revenir. Je connaissais la rengaine, j'ai été vendeur aussi dans mon entreprise. Fait que... Puis là, à 5h le soir, 5h moins quart le soir, j'ai eu un appel de Richemont. C'était la première journée que je travaillais. Quelqu'un de Richemont qui m'appelle. L'entreprise, c'était Trudeau. Des gens dans un atelier mécanique, un atelier d'usinage. Alors, je me suis rendu là. Un monsieur de 80 ans qui me reçoit, il dit, regarde, moi, j'ai besoin d'un directeur général. Bien, il dit, regardez, engagez votre directeur général, puis moi, bien, je vais le coacher pour qu'il devienne un bon directeur général. Suite à une conversation avec lui d'une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est sûr que j'avais de l'air d'un millionnaire encore, là, parce que dans ma tête, il fallait que j'aie le look du gars, la cravate serrée, puis le bon monsieur qui connaît ça, puis qui a beaucoup d'expérience. Alors là, M. Trudeau m'a dit, « Écoute, c'est toi que je vais avoir. » Moi, bien, écoutez, moi, c'est pas ça mon métier, c'est pas ça que je fais là, maintenant. Là. Je l'ai fait, la carrière d'entrepreneur. Maintenant, c'est, hey, « Non, je veux t'avoir, toi, comme directeur général. » Il dit, « Comment tu gagnes? » Bien, j'ai dit, « Moi, c'est une nouvelle entreprise pour moi, puis ça va ressembler aux autres années qui étaient autour de 100 000 piastres par année. » On est en 2003, j'ai jamais fait 100 000 piastres de paye, de sur le payroll, là, on s'entend. Alors, monsieur, il dit, « Garde, c'est ça que ça vaut, un bon directeur général. » Il dit, « Je t'offre l'emploi. » Alors, pour ne pas avoir l'air d'un gars trop pressé, trop stressé pour la job, il dit, « Écoutez, je vais penser à ça, puis je vais vous revenir demain. On n'y aisera pas avec ça. » Alors, je suis revenu, puis je me suis dit, « Hey, moi qui travaillais en Montérégie, puis à Montréal, où les clients étaient à 10 minutes l'un de l'autre, puis là, ça m'a pris la journée pour faire 3 calls, 4 calls. Regarde, si le monsieur m'offre un job à 100 000 $ par année, 2 000 $ par semaine, regarde, on va régler ça direct là, là. » Fait que je suis retourné, puis j'avais demandé aussi la veille de faire un tour d'usine. Le monsieur m'avait fait faire un tour d'usine. J'avais ressenti que les employés puis M. Trudeau, c'était deux mondes. Ils vivaient de ce que je voyais, une situation difficile.
Il y avait beaucoup de boucanes dans la cabane, ça sentait le diable, ça faisait du bruit comme c'est pas possible. Alors, ça m'avait resté dans la tête, ça, puis toute la soirée, puis le lendemain matin, m'en allant là-bas, j'ai dit, garde, moi, je veux pas travailler dans un environnement de même, là, si je prends ça au sérieux, cette entreprise, ce job-là, il va falloir mettre les choses à l'ordre. Alors, je rencontre M. Trudeau, t'es bien content de me revoir, j'ai dit, écoutez, moi, là, ça m'intéresse, votre job, puis je vais apprendre, mais il y a une condition encore. Ça me prend un budget de 125 000 $ pour remettre la shop à l'ordre. Parce qu'au niveau de la ventilation, il y a des problèmes. Au niveau du bruit, c'est pas vivable pour les employés. Alors, il y a du réaménagement, il y a de la réorganisation du travail. Il a dit, il n'y a pas de problème. On va aller voir le directeur des finances, puis tu vas avoir la carte blanche. Moi, je suis malade, j'ai fait de la diabète, j'ai presque 80 ans, je retourne à Sorel, puis tu t'arranges avec ça. Bon, ben, j'ai dit, c'est parfait, on s'entend, pas de contrat, on s'entend que ça va être ça. Alors, moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les employés, puis pour avoir des conditions qui ont du bon sens dans une entreprise. Je comprends que dans les années, dans les dernières 15 dernières années, j'avais des belles installations, on avait un environnement plaisant pour travailler, on était compétitif dans les prix pour les salaires au niveau des employés, fait que ça faisait en sorte qu'on était vraiment une famille. Ce que je ne reconnaissais pas là-bas. Alors, la première chose que j'ai faite avec ces gens-là, ben j'ai demandé leur nom, les étiqueter, ton nom, quoi, Éric, Jean-Paul, Louise, parfait, qu'est-ce que tu as comme AB, tout ça. Alors, ce que j'ai fait, compte tenu que je connaissais rien dans l'ajustage mécanique, ben je fais de confiance, comme j'ai tout le temps, à mes gens qui connaissaient leur métier, puis leur demandais comment améliorer la situation. Comme ça, je me suis intégré dans la place. Il y avait deux personnes, un ingénieur et un autre responsable de la production, qui m'avait dit, Claude, hey, M. Trudeau, là, il ne te laissera pas faire longtemps à dépenser autant d'argent parce que, regarde, ventilation change ça, ça, on déplace ça, overtime, on roule. Le 125 000, compte tenu que les gars m'avaient dit ça ne durera pas longtemps, bien, au moins, je vais laisser mes traces quand on va repartir d'ici. Puis, effectivement, au bout de 3 mois, il m'avait demandé, il dit, regarde, on était à la période où ce que ISO 9001 était bien à la mode, puis il fallait l'implanter. Puis là, le monsieur me dit, regarde, m'a laissé un budget de 25 000 $ pour leur entrée. Fait qu'achète l'information, achète le... Tu sais, oublie ça. Non, moi, on avait des clients comme John Deere. Tu peux pas dire aux gens de John Deere, on va falsifier des documents puis on va rouler avec ça. Moi, là, j'étais incapable parce que je savais que John Deere, là, c'est pas d'hier qu'ils font affaire avec des fournisseurs qui ISO 2002. Fait que ça a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné. Il a dit, Claude, si tu peux pas le faire, ben je vais te remplacer par un autre. J'ai dit, c'est parfait, mission accomplie pour moi ici. Fait que c'est comme ça qu'au bout de 3 mois, j'ai quitté à contre-cœur des employés que j'adorais, des gens qui travaillaient d'une façon extraordinaire, du bon monde. J'avais remonté tu sais, il n'y avait jamais eu de réunion d'équipe, de réunion d'employés, ce que je faisais toutes les 2 semaines. Et puis, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle bosse quand il vient faire un tour, qu'est-ce qu'il aime, il aimait qu'elle entende du bruit. Bien, j'avais dit aux gens, quand il va passer avec moi, bien, brassez le fer, puis les gens vont, il va se sentir qu'on est en contrôle de l'opération. Puis, naturellement, contrairement à la première visite, les gens étaient souriants, puis M. Trudeau avait une démonstration que ça allait bien son kit. Alors, mais sauf que quand c'était le temps d'ISO, bien là, tout a passé à côté. Alors, suite à ça, bien, il s'est passé bien des choses, là. Je suis retourné faire ce qu'on appelle du coaching. Puis là, un de mes amis, Danny Poisson, ici à Chesterville, petit village, il a dit, « Gars, m'a te faire rencontrer, je suis dans un club de gens d'affaires, une douzaine de gars, m'a te faire rencontrer toute cette gang-là, puis tu feras ton speech, puis suite à ça, bien, tu devrais avoir des clients. » Effectivement. Suite à cette rencontre-là, ben j'ai eu 3 appels, puis 3 personnes qui de l'autre viennent m'aider à monter ma fille qui veut devenir en charge de tout ça. Puis 3-4 mandats différents. J'ai fait ça pendant pratiquement 1 an. Faut dire que l'hiver, j'avais pris comme résolution, compte tenu que j'avais acheté en 2003
au moment où j'étais millionnaire. Une propriété en Floride, une belle maison mobile sur le bord du lac à Hollywood, Floride. Alors, je me suis dit, regarde, ça ne donne rien de travailler 12 mois par année pour moi. Là. L'hiver, ça va se passer là-bas dorénavant. Alors, je prenais des jobs, des mandats qui, jusqu'au mois de novembre, puis après ça, bien, regarde, comme les outardes, je m'en allais dans le sud, puis je revenais au printemps. Des fois, pour le même job que je faisais auparavant, ou une nouvelle job. Je reprenais confiance en moi tranquillement, pas vite. J'étais capable de faire le show que j'étais un gars, un bon coach. J'ai fait ça pendant un autre été, puis la raison pourquoi j'ai arrêté de faire ça, c'est que je travaillais à 100 $ de l'heure, là, parce que je me voyais que un gars de ma qualité, ça devait valoir ça. Mais j'ai été vite déçu parce que les gens d'affaires, comme moi, des têtes de cochon. La façon de voir les choses sont leur façon à eux autres. Même si je leur disais, regardez, le chemin que vous prenez, ça ressemble beaucoup au chemin que j'ai pris puis que je me suis rivé le nez. Pas nécessaire d'y passer par là. Alors, compte tenu que le boss, c'était lui qui décidait, bien entendu, puis c'était ça l'entente, bien, il faisait à sa tête, puis des fois, bien, il passait à côté. Alors, moi, c'était pas à paye, là, c'était la démotivation de faire le travail que je faisais. Après ça, j'ai été sur trois différentes entreprises sur le conseil d'administration. Ça allait bien. Trois heures dans une entreprise, discuter de l'évolution de l'entreprise des trois derniers mois, quelque chose comme ça. Alors, ça a été une belle expérience, sauf que la dernière place que j'ai faite, le dernier client que j'avais, il y a quelqu'un qui a investigué sur moi, puis a découvert qui j'étais, financièrement qu'on parle. Puis là, en arrivant au rendez-vous, j'entends dans la salle de conférence, bien, regarde, on ne fera quand même pas vérifier, faire aider par quelqu'un qui a fait faillite. Quelqu'un qui met dans ma tête un zéro. Ça m'a vraiment dardé au cœur. J'ai tout simplement ramassé ma petite mallette, puis je suis sorti, puis c'était la fin de la recherche d'être sur des conseils d'administration d'entreprise. J'avais plus confiance en moi. Là. Les gens m'ont découvert. On est quand même dans la région de Victoriaville, de Deviliouville, Thetford Mines. Fait que ça a fait en sorte que, regarde, ça, je fais plus ça parce que là, ça va se savoir, tout le monde va savoir dans une semaine que, regarde, le Claude Langlois, c'est zéro. Alors, je me suis dit, il fallait que je me trouve un travail pour l'hiver en Floride. Alors, j'avais un de mes amis ici qui importait des véhicules automobiles usagés de la Floride à travers les encans. Alors, j'ai proposé, il dit, Garn, tu veux-tu racheter ma propriété en Floride, maison mobile que j'avais perdue parce que j'avais donné seulement un dépôt et je n'avais pas été capable de remettre tout l'ensemble de l'argent. Paye-moi ma place là-bas. Et puis, je vais t'importer je vais prendre des photos. On parle en 2003, c'était les téléphones cellulaires commençaient à fonctionner. Alors, je prenais des photos, puis j'envoyais ça. Et puis, premièrement, il a fallu que j'apprenne le langage des encanteurs. T'entends rien, à un moment donné, l'oreille s'y fait après un mois. Alors, au bout d'un mois, un mois et demi, j'étais prêt à prendre des commandes pour lui. Mais lui, il s'est fait ramasser par l'impôt à ce moment-là. Puis ça a fait en sorte que le projet a tombé complètement à zéro. Mais il a dit, garde la place jusqu'au printemps, puis on verra. Entre-temps, le petit Jésus m'a bien aimé. Mon garçon puis mon frère sont venus me voir, puis ils ont dit, garde la place, on l'a rachetée du gars pour qui tu travaillais. Fait que c'est à toi, puis tu vas pouvoir en profiter, là, forever, pour tout le temps. Et c'est correct, je suis bien content, j'étais bien heureux, là, j'ai serré, là, regarde, ben, c'était le bonheur parfait, là. Je suis revenu au printemps, puis j'ai dit, là, ben, j'avais eu le temps de penser qu'est-ce que je vais refaire au printemps. Puis au printemps, ce que j'ai décidé de faire, ben, c'est faire ce que j'ai tout le temps fait, vendre des produits puis des services pour toutes sortes d'entreprises. Alors, j'ai vendu du foin aux États-Unis.
J'ai vendu des sapins en automne ici, c'est resté plus tard. J'ai travaillé avec mon garçon sur de la vente d'entreprise de valeur d'un million et plus. Là, j'étais retourné d'ici, là, en 2005, 2006, 7, 8. Là, j'étais retourné à Longueuil et à Chambly, parce que mon gars avait son bureau à Chambly. Alors, on vendait des entreprises d'un million de dollars et plus à travers le Québec. On se trouvait des prospects, on allait rencontrer. Puis c'est comme ça que pendant, je dirais, trois ans, on a fait, on a gagné notre vie de cette façon-là. Encore là, juste tout le temps, sauf l'hiver. Les 4-5 mois en hiver, on oubliait ça pour moi. Mais on pouvait quand même travailler un peu à distance, conseiller, mais pas plus que ça. Suite à ça, bien, ça, la raison pourquoi on a laissé tomber ça, c'est que les gens d'affaires, un acheteur et un vendeur, les gens d'affaires, c'est des vitres. Puis, un vendeur, bien, on essaie de l'esquiver sa commission, de ne pas payer sa commission. Alors, on faisait bypasser comme ça, à tout bout de champ. C'était une guerre pour se faire payer. Puis là, regarde, à un moment donné, on dit, regarde, enough is enough. Là, on a fait le tour, là. Et on va plus là-dedans. Parfait, encore au niveau zéro, mais j'étais plus dans un mode où il fallait faire des millions. L'important pour moi, c'était on a une belle place pour vivre l'été au Québec, puis on a une belle place pour vivre l'hiver en Floride. Ça suffisait avec de l'épicerie autant qu'on en voulait. Ça ne prenait pas beaucoup d'argent là, pour s'arranger. Bien sûr qu'on n'avait pas le véhicule de l'année, mais on avait de quoi à se déplacer comme on. Bien correct. Alors, là, je suis revenu, j'ai dit, regarde, bon, bien là, toujours mon côté entrepreneurial, dit, bon, bien, là, je vais partir à 64 ans, je pense. On va partir une compagnie de maçonnerie. Maçonnerie, parce que c'est un métier qui est très en demande. Il y a de l'ouvrage en masse. Alors, il me reste simplement, puis j'avais déjà travaillé dans la construction, il me restait à aller passer ma licence RBQ, Régie du bâtiment du Québec. Alors, quand je me suis présenté à Trois-Rivières, suite à l'étude du code du bâtiment, puis toutes les questions qu'on m'avait dit qui se poseraient autour d'eux, je me souviens, on est rentré dans la classe, on était à peu près une trentaine de personnes, et puis la madame nous a dit la première chose, elle a dit, écoutez, ici, là, puis j'étais avec des jeunes de 40 ans, de 30 ans à 50 ans maximum. Puis moi, j'avais 64 ans. J'étais le seul qui avait des cheveux blancs dans la gang. Celle qui s'occupait de nous faire passer le test, elle dit, écoutez, il y en a 3 sur 4 qui ne passeront pas. Mais c'est pas grave, vous allez pouvoir revenir dans 3 mois, 6 mois, vous faites continuez vos études, puis éventuellement, vous allez passer à travers. Quand elle a dit ça, moi, j'ai pensé, oh! Ça coûte 500$ venir ici à matin. Ça va coûter d'autres 500$. Faisais attention à l'argent, là, sérieusement. Plus 3 sur 4 qui ne passeront pas, bien, c'est sûr qu'un gars comme moi, contrairement au gars qui travaillait déjà dans le domaine de la plomberie, l'électricité, tous les métiers, ces gars-là avaient de l'expérience beaucoup plus que moi dans leur métier, que moi, la maçonnerie, je ne connaissais rien. Alors, ça a fait en sorte que j'ai passé le test en. On avait, mettons, une heure pour le faire. Au bout de 59 minutes, la madame venait nous arracher les papiers de sur mon bureau. J'étais le dernier à qui elle me ramassait. Puis, à la fin du compte, bien, avec 68 % de mémoire, j'ai passé le test. Pas besoin de vous dire que là, j'étais aux oiseaux. Hey, j'ai passé ma licence RBQ. Fait que j'étais tout fier. Alors, j'ai dit, bon, mais il ne reste plus rien qu'à m'engager des employés, à faire de bâtir, pas bâtir de l'équipement, mais acheter de l'équipement pour faire le travail, puis voilà. Fait, naturellement, j'ai toujours eu un partenaire d'affaires silencieux qui était mon garçon Stéphane. Stéphane embarquait pas mal dans tous les projets pour me supporter. Il avait les moyens de me supporter dans toutes mes, je dirais pas niaiseries, mais dans mes entreprises. Même s'il croyait probablement plus ou moins, bien, regarde, papa, faut l'occuper, puis il est bien là-dedans. Fait que voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de sympathie de ce côté-là. Puis Daniel, bien, était pas contre ça, même s'il savait, je suis sûr qu'il savait que ça avait plus ou moins de bon sens, mes affaires. Mais quand même, j'étais heureux en faisant ça. Je gagnais ma vie l'été, puis bon, voilà.
Mais ça n'a pas long que j'ai, ça a pas été long que j'ai désenchanté. Mon Dieu. Le premier gars que j'ai engagé, c'est un espèce de cocaïnomane que le jeudi, pas question de rentrer, pas fiable pour 2 minutes. Un bon maçon, quand il était sur l'ouvrage, mesurait 6 pieds 2, faisait probablement 250 livres. Un homme, là, un vrai. Mais quelqu'un qui était syndiqué à mort, que, c'est quelqu'un qui a été. Ça a été très, très difficile de travailler avec lui. Assez qu'au bout de, la saison, même pas au bout de la saison, j'ai dit, garde, ça, c'est pas fait pour moi. On ferme la boutique, je m'en vais en Floride. Printemps prochain, on trouvera d'autres choses. Alors, on passe encore en Floride. Puis là, ben, je me suis acheté un petit commerce là-bas, le roi de la tomate, the king of tomatoes, pour un monsieur qui avait très âgé, 80 ans, puis il m'avait dit, garde, ici, là, à Hollywood, il y a un fleet market, là, un marché aux puces où ce que moi, ça fait 20 ans que je vends des tomates, puis des fruits, puis des légumes, puis tout ça, mais surtout, je suis connu sur The King of Tomatoes. Fait que, un francophone, un gars de Saint-Sauveur de mémoire. Il dit, gars, tu vas aller chercher 400-500$ par semaine. OK, c'est suffisant pour moi, c'est correct. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche jusqu'à 5h le soir, c'était mon horaire. Puis jeudi, c'était à 3h30 du matin pour aller au marché public de Miami. Et on se levait de bonne heure pour aller chercher tous les aliments que, pour vendre. Mais naturellement, au bout de la ronde, au bout de la première fin de semaine, ça a tourné à zéro, plus ou moins, paquet de cents noirs. Là. Il n'y avait rien à faire avec ça. Moi, j'ai dit peut-être que j'ai mal compris. On recommence une autre fin de semaine, encore autour de zéro. Ce qui était le plus pénible, c'était de compter toutes les cents, les 5 cents, les 10 cents, les 25 cents, les sous-noirs que les Québécois achetaient dans la boutique. Puis à place de 4 tomates pour 2 $, bien, ils me donnaient une pièce et 85. Je peux-tu l'avoir? J'ai eu 50 cents, une pièce et 50, c'est-tu correct? En tout cas, taponnage incroyable. Là. Vraiment, j'ai un mauvais souvenir des Québécois qui achetaient mes produits là-bas. Là, puis je sais qu'ils étaient comme ça dans tous les kiosques. Les Québécois, là, ils font dur quand ils font l'épicerie au marché aux puces, qu'on va dire. Ils bargainent tout le temps, puis ça n'a pas de sens. Puis là, on parle, j'ai envie de dire, la majorité. Il n'y a pas de gens de lousse, là, comme ils sont au Québec. Alors, troisième fin de semaine, encore à zéro. Je dis au bonhomme, regarde, tu m'as passé un sapin, mon ami, là, puis moi, je ne veux plus rien savoir. Je t'avais donné 2 500, mais tu as demandé de me remettre mon argent parce que là, vraiment. Ouais, mais il dit, tu ne fais pas d'argent parce que tu n'as pas ton camion. Si tu avais eu ton camion, tu aurais fait 400-500. Bien, j'ai dit, justement, je n'ai pas de camion puis je ne fais pas ça. Fait qu'on s'entend-tu que tu me remets ce que je t'ai donné puis on ferme les livres? Bien, en tout cas, j'ai dit qu'est-ce qu'il fallait y dire pour qu'il me remette mon argent puis qu'on finisse ça direct là. Suite à ça, bien, je me suis engagé dans une entreprise de. Qui faisait du qui mettait un genre de peinture sur le toit des maisons, du coating là, pour la compagnie d'électricité là-bas avait mis un budget de plusieurs millions de dollars pour faire en sorte que l'air climatisé en Floride c'est moins exigeant au niveau énergétique. Fait qu'il subventionnait le propriétaire pour mettre un coating blanc sur du noir ou du foncé, de façon à ce que 85% des rayons de soleil soient reflétés, fait que ça coûtait moins cher. Fait ça pendant un mois et demi, mais à un moment donné, les budgets ont été épuisés de la compagnie d'électricité FPL. Alors, encore une fois, on n'a plus besoin, puis bon, j'avais fait une couple de 1 000 $ avec ça, mais ça a été la fin aussi de cette job-là. Alors, on revient ici au Québec. Alors, en 2012, j'avais besoin de faire désembuer mes fenêtres ici à Notre-Dame. Puis, j'ai appelé quelqu'un qui était spécialisé là-dedans parce que c'était assez nouveau là, qu'on désembuait les fenêtres. Puis, j'ai appelé quelqu'un qui s'est présenté ici puis il m'a dit, comment tu me demandes pour réparer ça? Il dit, est-ce que tu as un problème si je fais de l'argent, si je suis une entreprise qui fait de l'argent? Je dis, absolument pas, au contraire. Beaucoup de respect pour les entreprises qui réussissent bien. Le gars, il me dit,
Je te ferai ça à 5000 pièces, c'est-à-dire à 500 $, puis c'est à peu près 3 heures d'ouvrage. Ah, j'ai dit, c'est parfait, vas-y. Sauf que ça, ça m'a vraiment impressionné. Je l'ai vu travailler avec pas grand-chose, un liquide pour mettre des, percer des trous, puis nettoyer ça. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas compliqué ce que tu fais. Il dit, non. J'ai dit, j'aimerais ça faire ça moi aussi. Ben, il y a de l'espace en masse, tout ça. Alors, j'appelle mon gars Stéphane encore. Hey, Stéphane, suive le cours, il charge 5000 pièces, puis après ça, on peut travailler à 150 pièces de l'heure. Ça serait super, ça. Moi, j'aimerais ça faire ça. Je serais bon là-dedans, probablement, pour vendre les jobs, puis avoir deux techniciens pour faire le travail. Fait que oui, il dit, OK, j'embarque là-dedans. Alors, il m'a financé, encore une fois, l'équipement, le trailer que ça prenait. Et puis, on a commencé à faire ça. Encore là, ben, je me suis réveillé avec des employés pas fiables, pas sérieux, botcheux un petit peu. Fait que c'était juste du stress dans les dernières années que les jobs que je prenais ou les entreprises que je partais, c'était juste du stress à cause des employés. Ça ne marchait pas en tout comme j'aurais souhaité que ça fonctionne. Alors, ça a fait en sorte que en 2013, mais là, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Et puis là, ça marchait moins bien. J'étais allé à l'hôpital, et puis, c'est-à-dire à clinique. Et puis, à clinique, il m'a dit, bien, va à l'hôpital, il faut checker ça de près. Puis, on a découvert que j'avais le cancer du côlon. On a dit, on va t'opérer au mois d'août. C'est une opération de 3 jours. Parfait, j'ai pas de problème avec ça. Même si j'ai entendu le mot cancer, ça m'a pas effroyé plus qu'il fallait. Là. Fait que 3 jours, c'est. Sauf que je suis rentré à l'hôpital au je pense que c'est le 23 d'août 2013. Puis j'ai complètement perdu la carte pendant un mois. Complètement perdu. On m'a enlevé 18 pouces d'intestin. On a dû se reprendre parce qu'il y a eu de l'inflammation. J'étais vraiment le bas du corps fucké, là. Ça ne marchait plus du tout. Au bout d'un mois, je suis quand même sorti. Je retournais, je restais avec un appartement que, bon, encore là, Stéphane me fournissait à une petite maison à Longueuil où je demeurais, puis avec Lise, naturellement. Puis là, j'avais des pansements. Il venait changer mes pansements, s'occuper de moi encore pendant une couple de mois, 2-3 mois. Puis cette année-là, bien, je suis pas allé en Floride, naturellement, parce que j'étais trop alité pour me déplacer. Fait que au printemps, bien là, il n'était plus question de retourner travailler à ce quoi que ce soit. Là, je pense que j'avais eu ma leçon que mon tour était fait. Là, 68 ans, regarde, on va arrêter tout ça, là, puis on va prendre ça ici. Je suis revenu ici. Je suis revenu ici à Notre-Dame encore parce que j'ai abandonné la place pendant une couple d'années, 2-3 ans. Et puis, je suis revenu ici, puis passé l'été à zigonner, à faire des petits travaux autour. Puis, bon, pas de stress avec tout ce qui se passait. Et puis, je suis allé en Floride. Puis, à un moment donné, en Floride, 2 ans après que j'avais eu cette opération-là, on me suivait tous les 6 mois, on m'a dit... Monsieur Landois, revenez ici à l'hôpital, on va faire des tests pour vous parce que les résultats du dernier test n'ont pas été bons. Mais là, ils m'ont appris que c'était rendu au foie, stade 4, ça, c'est-à-dire tu t'en sors pas de ça. Là. On va faire de la chimiothérapie. Alors, pendant 13 semaines, des traitements toutes les 2 semaines, pendant tout un été, bien, je prenais mes traitements. Puis, ça a donné que quelqu'un m'a appelé pour faire vendre de l'asphalte ici, dans les maisons privées ou dans les commerces à Victoriaville. Fait que ça m'occupait, ça m'empêchait de trop penser, puis le malaise que le chimio peut te porter là, pendant une semaine, là, où ce que tu files vraiment mal, bien, je pense qu'il ne faut pas s'asseoir sur son mal. Là. J'étais mieux à travailler, à vendre de l'asphalte, des projets comme ça, que d'être assis ici puis de regarder le cimetière, comme je vous avais dit à l'oncologue. Parce qu'il m'avait dit, regarde, Claude, là, tu devrais te reposer. Puis je dis, regarde,
ça passe mon temps, puis chez nous, ça donne que j'ai une vue sur le cimetière, puis ça ne me tente pas du tout de voir ça comme ça. Alors, l'été s'est passé, mais au bout de 13e traitement, là, la baraque a sauté, je vomissais, ça ne marchait pas, on m'a descendu à l'hôpital. Puis encore une fois, un mois complètement out. Coma, délire, médication terrible. Et puis on m'a dit à la sortie de l'hôpital, en fait, on a dit à ma femme et à mes gars, regardez, on sort de l'hôpital pour l'envoyer dans un CHLD ou une maison de fin de vie. Mon gars a dit, mon père a dit toute sa vie qu'il voulait retourner mourir chez eux à Notre-Dame. On le ramène là-bas. C'était un petit débat là, avec les professionnels de la santé qui ne voulaient pas. Regardez, il va être trop d'entretien, ce ne serait pas possible. Mon gars, il dit, Stéphane puis Daniel, on dit, regarde, on va s'en occuper, puis laissez-nous aller avec ça, là, on va s'arranger. Et on venait à bout de décrocher les gens de la santé, puis regardez. Puis j'ai commencé à prendre connaissance ici. Le soir que je suis arrivé, il y avait un lit installé ici dans le salon, puis je me suis couché, puis j'ai été manger un petit peu avec eux autres, c'est-à-dire ma femme, mes deux gars qui étaient là, puis bon, ben là, on commence à vivre. Puis incroyable, puis là, incroyablement, je prenais du mieux, les gens du CLSC venaient me voir, puis ils disaient, mon Dieu, c'est incroyable, comment ça récupère, puis ça va bien. Dans mon élément, chez nous, ça a tout fait en sorte que tout a reviré à l'envers, puis ça s'est mis à mieux aller. Assez que 3 mois plus tard, ben je partais pour la Floride. Mais avant d'aller en Floride, j'ai été voir mon oncologue avec mes deux bodyguards, mes deux gars, que l'oncologue connaissait bien parce qu'ils ont été très, très présents à l'hôpital pendant que j'étais là pour s'assurer que les soins étaient corrects puis qu'il n'y avait rien de pas correct dans ma façon qu'on me traitait. Tu vois, l'oncologue m'a dit, regardez, M. Landlois, il n'y a plus rien à faire. Ben, j'ai dit, qu'est-ce qu'il me reste, moi, à faire, puis combien de temps, à peu près, qu'il va me rester? Ça, il dit, le temps, c'est quelques mois, il n'y a pas d'autre traitement. Puis il m'a dit, là, je me souviens très bien de la phrase, profitez de la vie, M. Landlois. Bon. Une chose que j'aimais bien profiter de la vie, c'est de prendre 2-3 bières par jour. Je lui demande, je peux-tu prendre une bière par jour? Il a dit, ah, pas de problème, je peux-tu en prendre 2? Là, il voyait à vitesse que j'étais pour monter, il m'a dit, pas plus que 3. Ben, j'ai dit, docteur, merci beaucoup, je suis bien content avec ça. Juste ça, ça a fait ma journée, je vais m'arranger avec ça. Ben, il m'avait quand même dit, devant témoin, mes deux gars, que ça serait une question de quelques mois. 5 ans plus tard, au mois de mars passé, après tousser pendant l'hiver en Floride, tousser comme un fumeur, disons. Quand je suis revenu ici, ben, elle m'a fait passer un rayon X, le docteur, un rayon X, puis un scan pour découvrir que là, c'était pas mal vers la fin, mon histoire là, achevait. Alors, on est rendu au milieu de juin 2020. Je dirais pas que j'attends la mort, mais c'est ça qu'on m'a dit, que le docteur m'a dit tout simplement que je ne verrai pas la neige l'année prochaine, c'est-à-dire cette année. Alors, je prends ça très sereinement. Je suis pas quelqu'un qui a peur de la mort. Je suis pas quelqu'un qui est si catholique que ça, mais je crois qu'il y a une autre vie après. Puis, me garde. Ça fait partie des conditions de la vie. On doit mourir. J'ai envie de dire que j'ai la chance d'avoir eu le temps de me préparer. Toutes mes affaires sont réglées, les choses que j'avais à régler sont réglées. Je pars en paix avec moi-même. Bien sûr, si je regarde ma vie en arrière, ça fait peut-être cliché, mais j'ai vraiment eu une vie passionnante. J'ai fait ce que j'ai voulu. J'ai été heureux dans toutes les histoires qui me sont arrivées quand même si ça n'a pas toujours été facile, mais bien rempli. J'ai fait
tout à mon goût, avec les erreurs et les bons côtés, fier de mes réalisations. C'est sûr que ce qui est le plus précieux pour moi, bien, c'est mes deux gars qui m'ont toujours supporté d'une façon incroyable. Je peux dire que j'ai fait des gars encore meilleurs que moi, et c'est pas peu dire. Ça va toujours rester dans ma tête que je ne pouvais pas faire mieux. À ma femme aussi, bien sûr, qui m'a toujours soutenu, qui a toujours été là, même si elle n'a pas tout le temps su qu'est-ce qu'il se passait dans l'entreprise et dans toutes mes affaires. Mais je pense que ma femme a été très tolérante de vivre toutes ces années-là avec un moineau comme moi. J'en suis très reconnaissant. Et puis, c'est un peu... on a fait probablement le tour du jardin. Salut.